Bonjour à vous tous. Lorsque nous avons réfléchi en décembre 2019 et choisi le thème de notre colloque cette année, nous ne pensions pas qu'il serait autant d'actualité, que santé et liberté seraient tellement mis à l'épreuve de notre humanité. Peut-on opposer liberté et santé? Faut-il les mettre en concurrence? Faut-il parler de la liberté individuelle ou collective, de sa propre santé, de la protection de la santé des autres? Si depuis bien longtemps en humanitude nous avons compris que la liberté individuelle est aussi un gage de santé, nous n'avions pas encore été confrontés de manière aussi radicale à la suppression de la liberté au nom du bien de la communauté. Constatons que dans les démocraties, la protection de la santé publique que nous pourrions définir comme l'amélioration de l'état de la santé de la population emprunte régulièrement le chemin de l'interdiction et de l'obligation. Par exemple, nous pourrions parler de l'interdiction de fumer dans les lieux publics, mais encore plus proche de nous, de notre mode de vie très récent, le confinement. Dans un souci de protection de la population, il a été demandé, pendant cette période de Covid-19, de prendre des mesures qui ont fortement restreint la liberté de se rencontrer, de circuler, d'aller et venir de tout le monde, mais encore plus intensément celle des personnes âgées, des personnes fragilisées dont les soignants prennent soin et dont vous connaissez bien les conditions. Bien sûr, dans ces temps troublés, nous ne pouvons pas nous épargner d'en parler et il est sûr que de nombreux conférenciers dans ce colloque y feront référence. Je ne vais donc pas vraiment m'y attarder, juste m'appuyer sur cette période de notre vie pour vous expliquer pourquoi le maintien des relations affectives et de la verticalité sont essentiels. En humanitude, nous l'affirmons, la liberté de mouvement est un facteur de préservation de la santé. Alors, comment, avec notre approche en humanitude, pouvons-nous maintenir au mieux la santé des personnes dont nous prenons soin? Je vais vous parler de deux particularités que nous développons en humanitude et qui sont essentielles pour le maintien du bien-être de la personne. Il s'agit du besoin de tendresse et du maintien de la verticalité. Je vais commencer par la verticalité. L'humain est le seul animal ayant la particularité de se déplacer exclusivement debout quand il n'a pas, bien sûr, un problème de handicap ou de maladie. Et conserver ou permettre aux personnes dont nous prenons soin de rester debout est de notre devoir de soignant. Être attentif à la préservation de la station debout, de la marche, permet à la personne de continuer à donner du sens à ce qu'elle fait. Marcher pour aller voir son voisin, pour aller à la salle de bain, pour aller chercher un bonbon que l'on souhaite offrir, ou se l'offrir tout simplement, pour ouvrir la porte et accueillir un ami, donner tout simplement du sens au déplacement en répondant à ses envies, à ses plaisirs, à ses désirs. Donner du sens aux actes, c'est aussi cela le bonheur. Mais quand on entretient chez la personne la capacité à se déplacer debout, eh bien écoutez, nous donnons aussi du sens à nos métiers. Non seulement parce que nous entretenons ou restaurons l'indépendance physique, mais aussi parce que nous permettons à la personne de conserver, d'améliorer sa santé par la marche. Vous l'aidez à être responsable de sa propre santé. Répétons-le, marcher régulièrement agit directement sur les appareils circulatoires et locomoteurs, vous le savez bien, en réduisant le risque de maladie du cœur et d'accident vasculaire cérébral, en faisant baisser la tension artérielle, en diminuant le taux de cholestérol sanguin, en augmentant la densité osseuse, ce qui prévient cette fameuse ostéoporose, en atténuant les conséquences négatives de l'arthrose, en soulageant les maux de dos. Et selon le rapport du directeur du département de la santé des États-Unis, les marcheurs vivent plus longtemps et ont une meilleure qualité de vie. Alors, n'hésitez pas, vous aussi, à abuser de cette activité. Notre expérience dans le monde du handicap et de la gériatrie nous a prouvé que la gravatisation est iatrogène. Les soignants ont pendant longtemps pensé que le lit soigne. Et cette pensée reste encore fortement ancrée dans le soin infirmier. Bien sûr, il est conseillé aux soignants de faire marcher les personnes. Mais comment faire quand on n'a pas appris?
quand on n'a pas le support de techniques douces qui respectent les capacités de la personne. Nos techniques en humanitude vous aideront. Par ailleurs, que propose-t-on pour entretenir la marche aux personnes qui évoluent seules? Vous savez, ces personnes qui évoluent sans aide, à toutes ces personnes qui donnent du sens à leur déplacement. Ces personnes qui viennent vous ouvrir la porte quand vous toquez et qui vous serrent affectueusement dans leurs bras. Eh bien, pas grand-chose puisqu'elles marchent. Et que se passe-t-il si les circonstances de la vie réduisent leur périmètre d'évolution? Nous allons plus particulièrement nous intéresser à ces habitants qui ont bien été en danger pendant cette période de confinement. En effet, la désadaptation psychomotrice peut vite s'installer chez la personne âgée et cela peut engendrer des situations qui peuvent être dramatiques. Changer ou supprimer le mode de circulation quotidien, comme aller prendre son repas en s'arrêtant chez sa voisine, ne plus aller aux animations, tel jour à telle heure, déstabilise la personne, à la fois sur le plan physique et sur le plan psychique. Je souhaite vous parler de ces personnes et vous montrer à quel point il est important de s'en préoccuper, car j'ai été fortement interpellée par ce qui est arrivé dans un EHPAD labellisé Humanitude. Cet établissement est reconnu pour la fabuleuse qualité d'accompagnement qu'ils mettent en place et qu'ils ont proposé pendant tout le confinement. C'est un établissement que je trouve incroyablement bien traitant et vraiment, j'adore travailler avec eux, j'apprends toujours. Au moment du déconfinement, lorsque les personnes âgées ont pu se déplacer pour rencontrer leur famille, les soignants ont déploré dans la même semaine 5 fractures du col du fémur chez des personnes âgées totalement valides. Ces personnes valides ont bien sûr peu marché pendant toutes ces semaines. Elles ont été fortement bousculées dans leur vie, dans leurs habitudes. Bien sûr, nous avons réfléchi à des causes de chute liées à l'environnement, à un changement de produit pour nettoyer les sols. Rien de tout cela. Nous pouvons penser qu'une diminution de l'activité motrice entraîne d'une part la réduction de la force et de la puissance musculaire des membres inférieurs, mais aussi probablement une déstructuration du schéma corporel par manque de mouvement. Ce manque d'activité provoque une forme d'endormissement de la proprioceptivité. La proprioception étant le sens qui nous permet de nous percevoir nous-mêmes sans avoir recours à la vision et qui donne au cerveau la capacité de détecter la position des mouvements des différentes parties de notre corps dans l'espace. Par exemple, grâce à la proprioception, je sais exactement où est ma main par rapport à ma bouche quand je mange alors que mes yeux ne voient pas ma bouche. Ou encore, je sais où est mon genou par rapport à mon pied quand je marche. Les mouvements sont coordonnés grâce à la proprioception et lorsque la proprioception est compromise, marcher seul peut devenir difficile. Nous comprenons bien qu'il faut préserver la connaissance du schéma corporel pour permettre à la personne de manger seule, de s'habiller, de mettre un pied devant l'autre pour marcher. Et la meilleure solution est bien sûr de ne pas faire à la place de la personne toutes les actions qu'elle est en capacité de faire seule. Mais revenons à la chute. Les dames dont je vous parlais précédemment ont probablement un déficit musculaire, mais pas de trouble du schéma corporel, car leur mouvement était correctement coordonné. Cela me laisse supposer que le problème est ailleurs dans la gestion de leur équilibre. Les extérocepteurs seraient-ils endormis ? Les extérocepteurs sont des récepteurs sensoriels qui sont localisés en surface du corps. Ils sont sensibles aux modifications du milieu extérieur et ils mettent donc le corps en contact avec le monde extérieur. Concernant la gestion de la marche, je me dis que les récepteurs sensitifs sous la plante des pieds, notamment les mécanorécepteurs, se sont bien endormis pendant cette période de confinement. Ils ont probablement manqué de stimulation faute de déplacement suffisant. Je vais d'abord vous parler de la chute, de la gestion de l'équilibre pour vous proposer ensuite quelques exemples d'exercices car il est essentiel de préserver la meilleure information possible
venant des récepteurs sensitifs de la plante des pieds, car malheureusement, la qualité et la quantité d'informations venant de ces récepteurs sensitifs diminuent avec le vieillissement. Donc, concernant la chute, nous ne craignons pas la chute en soi, mais ses conséquences, avec le risque de la fracture du col du fémur, puisque tout de même, selon les statistiques, les taux de décès dans l'année qui suit l'intervention sont supérieurs à 30% à l'âge de 75 ans et peuvent atteindre 50% à partir de 90 ans. Alors, bien sûr, les causes des chutes sont multiples. Manque d'activité physique, vieillissement physique, environnement peu adapté, prise de médicaments, maladies, etc., etc. Un aparté avant de poursuivre, je souhaite vous dire qu'il faut absolument donner confiance à la personne dans ses capacités motrices. C'est essentiel pour lui éviter la chute. Et si elle chute, avec ou sans gravité par la suite, la relancer dans une dynamique de mouvement afin qu'elle retrouve la confiance qu'elle risque d'avoir perdue. Si la peur de la chute l'envahit, elle risque de ne plus vouloir se déplacer. Sa santé physique est alors en jeu, ainsi que son équilibre psychique. La perte de confiance en soi peut emmener vers l'isolement, la dépression et malheureusement bien souvent vers le syndrome de glissement. Bon, revenons aux causes de la chute. Si je chute, c'est souvent pour un problème d'équilibre. La cause de cette perte d'équilibre peut être multiple, nous l'avons déjà évoqué. Soyez bien sûr vigilants à proposer une activité physique au moment le plus opportun. Nous ne proposerons pas une activité physique juste après la prise d'un traitement médicamenteux qui endort, qui réduit les réactions physiques. En revanche, nous serons attentifs à proposer une activité après la prise de certains médicaments qui dénouent les tensions. Et je pense par exemple aux personnes atteintes de la maladie de Parkinson et leur traitement. Donc, essayons de voir comment conserver l'équilibre. Le maintien d'un équilibre stable, que le corps soit statique ou en mouvement, implique la réception et l'intégration de multiples afférences sensorielles qui informent en permanence le système nerveux central. La réception et le traitement de l'ensemble des informations sensorielles sont assurés par le système nerveux central qui produit en retour une série de contractions musculaires qui se traduisent par une série de mouvements coordonnés formant eux-mêmes un comportement moteur adapté complexe. Toute anomalie au niveau de cette chaîne de traitement de l'information peut créer un déséquilibre à l'origine d'une chute. Vous comprenez bien que la gestion de l'équilibre dans la marche étant très complexe, je ne vais pas tout développer et je ne vous parlerai que de deux points sur lesquels, me semble-t-il, nous pouvons avoir une action. Il s'agit de la vue et des extérocepteurs, notamment les récepteurs sensitifs sous la plante des pieds. Bien sûr, nous ne pouvons pas oublier qu'un trouble de l'équilibre peut aussi provenir de l'oreille interne. Mais dans notre action de prévention, nous ne pouvons pas agir sur elle et ces fameux canaux semi-circulaires. Il faut faire appel pour cela à un spécialiste, bien sûr. En revanche, nous pouvons agir sur certains points concernant la vue ainsi que sur les récepteurs sensitifs de la plante des pieds. Tout d'abord, parlons de la vue. Avant tout déplacement ou tout exercice, assurons-nous que la personne porte ses lunettes. Si normalement, bien sûr, elle en est équipée, s'assurer qu'elles sont propres. Je précise ces précautions qui semblent si simples et évidentes car l'expérience sur le terrain m'a prouvé à de très nombreuses reprises que la prothèse tiroir est une réalité, ainsi que le fait de ne pas changer la pile par exemple d'un appareil auditif ou tout simplement de ne nettoyer que rarement les lunettes et même tout simplement de les mettre au moment où la personne en a besoin. Il est également bien sûr nécessaire de prendre rendez-vous chez un ophtalmologue pour vérifier la nécessité de les changer, ces lunettes éventuellement, de contrôler le vieillissement du système visuel avec la probable baisse de la vision périphérique, avec les risques de glaucome, les allergies, etc. Soyez vigilants à la vue, c'est très très important pour l'équilibre. D'ailleurs, essayez de marcher les yeux fermés, vous allez voir que ça sera beaucoup plus difficile de maintenir votre équilibre. Je souhaite que nous nous intéressions
plus particulièrement au deuxième point, et donc au pied, au récepteur sensitif de la plante des pieds. La sensibilité cutanée plantaire est une interface entre le corps et le sol par ses extérocepteurs qui sont donc les récepteurs qui captent les stimuli du monde extérieur. Elle informe le système de l'équilibration. Le système nerveux central intègre ces informations associées aux autres informations apportées par les autres messages sensoriels sur la position du corps dans l'espace. Et si toutes ces informations sont bien régulées, comme je vous l'ai déjà précisé, l'équilibre est préservé. Par exemple, vous trébuchez sur un caillou. Vous arrivez à vous rééquilibrer ou pas? Eh bien, je pense que les personnes dont je vous parlais, qui ont chuté, avaient probablement, entre autres, leurs extérocepteurs de la plante des pieds endormis et ils ont trébuché. Le pied est bien un élément important dans le maintien de la position debout dans l'espace. Il se trouve que ces récepteurs situés sous la plante du pied ont cette fameuse tendance à s'endormir s'ils ne sont pas stimulés. Autrement dit, si votre pied n'est plus en contact avec le monde extérieur, parce que vous restez allongé ou assis dans un fauteuil sans bouger, ou parce que votre déplacement est devenu très restreint, il y a de fortes chances pour que votre équilibre soit perturbé au moindre grain de sable sur le sol. Vos extérocepteurs de la plante des pieds n'ont pas donné une information suffisamment rapide et efficace pour que l'équilibre soit rétabli. Et notre corps est un merveilleux instrument qui ne demande qu'à être entretenu. Ces fameux extérocepteurs qui ont la fâcheuse tendance à s'endormir peuvent redevenir actifs si on les stimule. Et il est d'autant plus important de le faire chez la personne âgée que sa sensibilité plantaire est diminuée, comme je l'ai déjà précisé. Vous avez compris où je veux en venir. Prenons soin des pieds. Eh bien, comment? Eh bien, déjà, lorsqu'une personne voit sa liberté de circulation diminuer, quelle qu'en soit la raison, sollicitons sa plante des pieds en la massant, en la stimulant. Faites-le en utilisant le talon de la main, en appuyant cette plante des pieds. Amusons-nous en faisant des exercices en appui sur les deux pieds. Demandez de ressentir les sensations du corps. Puis, passez sur un pied en comptant quelques secondes. L'équilibre étant fragile, prenez bien les précautions environnantes nécessaires pour cet exercice, en restant à côté de la personne, par exemple. Il ne faut surtout pas qu'elle chute. Changez de pied ensuite. Bien sûr, et augmenter les temps de station debout monopodale. Il est tout de même important de rester équilibré sur un pied. La marche étant un déséquilibre, équilibre permanent, par le passage d'un pied sur l'autre. Bien sûr, n'oublions pas que d'autres entrées sensorielles interviennent pour réguler l'équilibre et n'empêcher donc pas la personne de bouger les bras parce qu'il y a de fortes chances pour qu'elle s'équilibre également avec les bras. Fabriquer des parcours avec des terrains de nature différente. Travaillez en plein air. Faites marcher les personnes sur du sable, sur des petits cailloux, sur la pelouse. L'idéal est de marcher pieds nus si la personne l'accepte, bien sûr. Ou bien, soyez vigilant à ce que les chaussures aient des semelles très fines. Si la personne le supporte, vous pouvez aussi faire des exercices, bon, de préférence à marcher dans un premier temps, avec des semelles à picots. Vous trouvez ça très facilement chez les commerçants. Assis au fauteuil, demandons à la personne de faire rouler une balle de tennis sous ses pieds, puis une balle avec des petits picots, et profitez-en en même temps pour lui demander de mobiliser la cheville. Frottez la plante des pieds avec une brosse douce, inventez des jeux, et n'attendons pas des situations extrêmes pour les mettre en œuvre. Faisons-le au quotidien. Intégrons ces exercices dans le maintien de la santé de la personne. Soyons créatifs. Je vous fais confiance. Prendre soin des pieds d'une personne, les masser, c'est aussi offrir un moment de détente. Masser les pieds est souvent vécu par les personnes âgées comme un vrai acte de tendresse. Il y a bien longtemps, de leur temps,
les conjoints massaient les pieds de la personne qui revenait des champs et qui avait durement travaillé. C'était une manière de les remercier, de leur dire combien ils étaient importants à leurs yeux. Je vais donc conclure sur cette deuxième particularité de l'humain. L'humain a besoin de tendresse, d'en donner et d'en recevoir. Pendant longtemps, on a appris aux soignants à ne surtout pas donner de la tendresse aux patients. On leur a demandé de maintenir une distance dite thérapeutique pour se protéger des émotions qui pourraient éventuellement les bouleverser et donc les rendre moins professionnels, probablement les rendre de moins bons soignants. Donc naturellement, et j'insiste sur ce mot, naturellement, le soignant ne regarde plus dans les yeux, ne parle plus, il ne parle plus que pour donner des consignes et ne touche la personne que pour des actes de soins. Comment recevoir de la tendresse dans ces conditions, surtout lorsque je suis très fragile et très dépendant? Depuis 40 ans, nous affirmons à Numanitude que c'est une erreur et que nous ne perdons pas notre énergie, notre mental, notre professionnalisme en apportant de la tendresse aux personnes qui en deviennent naturellement privées si elles ne sont plus que des objets de soins. Les neurosciences ont prouvé que le maintien de la tendresse est un facteur indispensable au maintien de la santé des personnes dont nous prenons soin. Heureusement, les soignants ont donc de moins en moins peur d'en donner. Les marques de tendresse sont vraiment vitales pour le bien-être des habitants des établissements accueillant des personnes fragilisées. La tendresse donne du sens à notre vie. Toutes les marques d'affection que nous adressons aux habitants façonnent les relations positives. Un lien de confiance s'installe et éloigne les comportements d'agitation pathologique. Vous l'avez compris, la tendresse se professionnalise. Je vous le rappelle, utilisons les piliers de l'humanitude lors des rencontres et, comme les études scientifiques l'ont vérifié, le regard doit être long, pupille dans pupille, très proche. Le toucher est amical. La parole mélodieuse, douce. Les mots sont positifs. La tendresse réconforte et sécurise. La tendresse, ce n'est pas que de la gentillesse. La tendresse est une expression physique qui s'exprime dans un espace proche, vraiment dans la proximité. Alors que la gentillesse est un comportement qui peut s'exprimer à distance. Les personnes âgées ou en situation de handicap ont besoin que nous leur portions de la tendresse, de l'attention, de la compréhension et de la patience. Je vous invite à remarquer qu'il est beaucoup plus facile d'aller chercher la tendresse lorsqu'on est debout, lorsqu'on peut aller à la rencontre des autres plutôt que d'attendre que les autres viennent vers soi parce que je suis tout simplement dans l'incapacité de me déplacer seule. Associer tendresse et maintien de la verticalité est dès lors la liberté de la personne fragilisée, son envie de vivre, son désir d'aller à la rencontre de l'autre se verront multipliés par la confiance qu'elle va gagner grâce à votre capacité de la maintenir debout, grâce à tout ce que vous mettrez en œuvre pour la maintenir debout ou la remettre debout, mais aussi grâce à la tendresse que vous saurez partager avec elle, toutes ces émotions positives qui lui montreront que sa vie a un sens et qu'elle est heureuse de vivre. Elle est maîtresse, avec votre aide, de sa propre santé, de son propre bonheur. Je vous remercie, et au plaisir, j'espère, de vous retrouver l'année prochaine à la Cité des Sciences. À très bientôt.